السلام عليكم أصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بأفضل حال ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا إكزامبل ديال فيش بيداغوجيك ديال لا بويزي، سهلة وبسيطة وما كتاخدليش بزاف ديال الوقت، ومعها غنشرح لكم شي شوية حتى كيفاش كدوز الحصة ديال لا بويزي وشنو خاصني ندير فيها. باش تفهموا هادشي كامل تبعوا معايا لا فيديو. مرحبا بكم. نبداو على بركة الله. Dis-moi blanc tête, l'activité poésie ou bien poème, le titre, le niveau ou la durée. Quand tu le fais à 30 minutes, parfois qu'il y a 25 minutes, elle a le temps de l'école. Et bien sûr, vous pouvez ajouter matériel didactique, les cahiers fiches qu'est-ce la poésie, le tableau, etc. Alors, une bête qui vient l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est être capable de lire, comprendre et réciter un poème. D'accord? Alors, on va voir des exemples. On a la tortue. On a aussi le bonhomme de neige. On a les pingouins. Pour les sommes, on va faire un exemple. Alors, je vais vous dire. Nous allons faire la première étape, étude de la forme. D'abord, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il y a un texte? Non, bien sûr, mais si j'ai au bout, un poème ou une poésie. Qu'est-ce qui vous montre que c'est un poème? Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est un texte? Quelle est la différence entre un texte et un poème? Alors, le texte se compose de quoi? Le texte se compose d'abord, mais si j'ai oublié faire le cas, le texte se compose de paragraphes, alors que la poésie ou bien le poème se compose de quoi? Voilà, c'est qu'on a des strophes. Alors, chaque paragraphe contient quoi ou bien se compose de quoi? Voilà, des lignes, des phrases. Alors, la poésie, où est-ce qu'on a dit des phrases? Bien sûr que non. C'est qu'on a dit des vers. D'accord? Ou est-ce que je sais la différence entre le texte ou la poésie? Entre un texte et une poème. D'accord? Mais le c'est dans l'étude de la forme. Quel est le titre du poème? Ou il y a quand même dit l'image, quand même dit l'image. Mais le il y a combien de strophes dans ce poème? Au moins, tu as dit que je dit les strophes, on dit. Bien sûr que nous savons bien qu'il y a une strophe. Qu'est-ce qu'une strophe? Ouais, chaque strophe se compose de quoi? D'accord? Alors, on me dit ce poème se compose de 3 strophes, 4 strophes, d'accord? Ou chaque strophe se compose de quoi? Il y a combien de vers dans ce poème? Ou là, chaque strophe se compose de combien de vers? Ou c'est presque bon. Dans la première strophe, il y a 4 vers, la deuxième 4 vers, la troisième 2 vers ou la 3, ça dépend. D'accord? On passe. Mais maintenant, la lecture magistrale, dit la maîtresse. La lecture magistrale, qu'est-ce qu'on parle? L'enseignante. Et puis, la lecture individuelle par les élèves. Et au cas l'explication des mots difficiles, bien sûr. Qu'est-ce que les mots difficiles, l'oulidesco. Et voilà que j'ai la dernière étape. L'IA, les élèves récitent la poésie ou bien le poème. D'accord? Ouais, que tu as conseillé la fiche d'IALI par les là ou pas? Ou bien sûr, ma casse de l'IALI, je vous ai fait le temps. Quand tu as fait comme ça, on te la revoit une vidéo à l'heure, Inch'Allah. Au revoir.